Il est déjà préparé. Oh les gourmands. Est-ce que c'est bon? Rien que l'odeur. Je vais vous dire, le corbeau et le renard, ça va vous rappeler votre enfance. Ça, nous savons. Là, on peut. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui peint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre fromage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux qui de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belles tailles. Elle qui n'était pas grosse, en tout cas la lièvre, c'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent nos deux amis. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.